Et salut, bienvenue pour l'épisode 15, bienvenue avec Lundell. Coucou! Installez-vous, on est parti pour la suite du let's play, la suite de la quête principale pour aller sauver Hitor. J'ai été récolter des recluses, des plantes. Vous voyez que je récolte grâce à Margaret, la sorcière chamane rebouteux. Cette guerre avec les renégats. Je peux te demander Des une faveur. plantes pour la sauver, enfin pour le sauver, Hector. Alors. Ok, c'est pas grave. Cet équipement, c'est Donc en fait j'ai cueilli les plantes et il faut des petites pétales pour soigner et les grosses peuvent le tuer. J'ai pas pu voir quand je cueillais les plantes la différence. Alors j'espère que là j'espère qu'on n'aura pas un choix difficile sur et quelles sont petites et quelles sont grosses. Ça fait un mal de chien. Combien de temps? Salut, citoyen. Peut-être que ça va passer tout seul. Je me demande, tu serais toujours aussi optimiste. J'aimerais vraiment bien le sauver, je pense. Peut-être que ça va passer tout seul. Ça peut être très intéressant pour la suite de l'histoire. Comment va le patient? Il commence à se réveiller. Merci pour ton aide. Tu peux y aller. Attends. Qu'est-ce qui se passe ici? T'es allé voir cette sorcière, hein? Cette Margaret? Une sorcière? J'ai jamais vu de sorcière. Les sorcières n'existent pas. C'est de la superstition. C'est clair. Superstition? La sorcellerie est un crime! Je t'en prie. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? On le perd. Aiden, donne-moi ces non, plantes. Ne donne pas le poison de cette sorcière à mon Je mari. Peux lui faire une injection pour le stabiliser. Mais ça ne durera pas longtemps. Tu lui as dit à qui était destiné le remède? Elle a tué ses hommes. Elle aurait dû être pendue, mais Jackmat a demandé à Hitor de lui brûler les yeux. Quoi? Tu lui as dit? Elle t'aura donné du poison, je te le garantis. Aiden, donne-moi les plantes, bon sang. Ah oui, je donne les petites pétales, je donne les grosses, je refuse. Demander à Lawan. Ah, si on peut lui faire confiance, est-ce qu'elle aurait inversé? Elle avait l'air de bonne foi, j'ai envie vraiment de lui faire confiance. C'est vrai que vous avez pas vu le début de la quête, mais. Je vais donner les petites pétales. Comment va-t-il? Il semble que le remède soit aussi efficace que je l'avais espéré. Cool. Et là, il est mort. Il a besoin de repos, on devrait le laisser tranquille. Je serai pas loin. On dirait que t'avais bien cerné Margaret. Elle voulait pas l'empoisonner, finalement. Oui, on dirait bien. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Si tout se passe bien, il devrait commencer à se réveiller bientôt. Et on découvrira ensuite qui lui a fait ça. Et c'est grâce à toi. Cool. Ben voilà. Bonne quête. Terminé. Booster de rage, plus 1500, plus 1500. Ah, ça fait de l'XP. Aiden. Matt? Quoi de neuf? Je voulais te remercier officiellement. Hitor va mieux. Si t'avais pas été là... Il serait encore dans le coma. Mon colonel. Je suis content qu'il aille mieux. Moi aussi. Lui seul sait ce qui s'est passé au vieux Vildor. C'est vrai. Et bientôt, grâce à toi, je le saurai aussi. Terminé. Terminé. Tout le monde le saura du coup. On sera tous contents de le savoir. Ouais, on va faire un voyage rapide. Un petit voyage rapide vers la chapelle, la cathédrale, pardon, de Saint-Paul. Pour aller voir l'ingénieur, le technicien pour réparer le petit module d'espionnage. Parce que oui, nous allons espionner Jackmat. Peut-être j'ai fait un mauvais choix, j'ai un doute. On verra bien. Oh, sérieux. Ah,
Par je cours. Ça, c'est une petite poursuite. Voilà, je me fais poursuivre et tout va bien. Ouais, très bien, je cours très vite. Ah, c'est vrai que je peux faire des sprints aussi. Comment je vais y rentrer là-dedans? Super, deux fois que j'utilise qui servent à rien. Ah, c'est là. Peu de parcours de nuit, j'aurais pu y aller de journée. Il est vrai. What? Ça a bien séché. What? Ne me faites pas tomber. Comment ça niveau 4? Ou 2? Des petits UV pour me sauver. Et ben ça brûle. Par 14 secondes. Salon de bronzage. Ah cool. Un nouveau succès déverrouillé. Alors comment je vais grimper? Ah ok. Je suppose que de nuit c'est plus dur que de journée. Bon bah comme un gros bourrin. Bienvenue, étranger. Ton voyage s'achève ici. Beaucoup sont venus ici. Personne n'en est sorti vivant. Oui, bien sûr. Parfois, je me demande ce que vous éprouvez. Les êtres primitifs, les voleurs. Qu'est-ce que c'est encore ce taré? Entouré de merveilles que vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, ça finit par m'ennuyer. Et je préfère vous tuer. Mais c'est quoi ce bordel? Hé hey, t'es là? Je m'appelle Aiden. Je veux juste discuter. Il est mort, dis donc. Faut le vendre. Viser. Ah. Qu'il te soit un militaire. Bon, ça donne de quoi tuer des gens. C'est bon, c'est de quoi te soigner. En vrai, j'ai pas trop peur. J'ai tellement XP dans les quêtes secondaires que... Ça va me faire ni chaud ni froid, là. C'est parti. Découvre la colère de Leto. De qui? Merde. Voleur. Voilà.
Bon bah les taux 4 flèches. Un cristal bleu, kit de soins. Bon bah ça c'est fait. Leto, le boss. Boss ultime. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose en hauteur quand même. Étrange. Comme un scarabée qui ignore tout du pied au-dessus de lui. J'ai un boulot pour toi. Et j'ai une surprise pour toi. J'espère que tu aimes cette pièce. Car ce sera ta dernière demeure. Hé hey. Oh, génial. Des câbles. Je dois trouver une source d'alimentation. Ah oui, pour la couper. Ah ben, il y en a des trucs à récupérer, des soins. Parce qu'il va falloir passer en hauteur. Mort vient d'en haut. Même pas où je dois aller. Je débranche tout, ça débranche tous les toutes toi. Les lampes UV. Allez, mec. Tranquille ici. Ça. Hop là. S'ils sont pas level. J'ai besoin de ton aide. Tu t'es introduit chez moi. Tu as tué Leto. Que veux-tu de plus? Ah mec, c'est toi qui m'as chassé avec, hein. Qui me l'a envoyé. Faut assumer maintenant. Combien de générateurs? Où est-ce que t'es? Écoute-moi, espèce de gros taré! Pourquoi dois-tu me déranger ainsi? Laisse-moi tranquille, tu entends? Laissez-moi, gros taré! Laissez-moi le gros taré. Je
coco. Voilà, y a personne. Bonus de nuit, parcours. En train de faire le sens inverse du chemin. Sérieux, mais... Voilà. Okay. Conteneur d'inhibiteur détecté. Tranquille. À l'échelle, ta gueule. Ouverte là. Parce qu'il faut aller tout en haut. Elle aurait pu m'attendre là et me défoncer, je pense. Attendre que je monte et tout, ouais. Ah, c'était sympa, mais c'était pas difficile. Je pense que j'ai pris trop de niveaux et tout. Je passe la quête principale, là. Ouais, il aurait pu quand même... m'attendre, essayer de me piéger. Bon, bah là, je vais me faire un peu de... Pause. Objet rare. Bon, voilà. Ça, ça m'a pris toute la nuit cette histoire là. Ouais, il va m'attendre et me mettre un gros coup. Ah. Cassette. Office de tourisme de ville d'or, cathédrale de Saint-Paul. Le mec, il a des générateurs de partout, quoi. Je m'étonne qu'il y ait des câbles électriques, là. Ah, il y a un petit crochetage. Pas à gauche, hein. Pourquoi pas. Conteneur d'inhibiteur. Ah, un conteneur d'inhibiteur. Surprise. Mais t'es sûr. Ouais, à chaque fois on se fait avoir en plus. C'est plus simple en parapente. Hein. On est d'accord. Vas-y. Tue-moi. Mais dis à mon fils que je suis mort en guerrier. De quoi tu parles? Tue-moi.
Elle t'a envoyé pour ça, alors vas-y. J'ignore ce que ça veut dire. J'ai un boulot pour toi. Quoi? Tu n'es pas un assassin? Non, je veux juste parler. T'es un ingénieur, pas vrai? J'ai un nom. Je m'appelle Kurt. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu vraiment? Je suis de la confiture donnée aux cochons. Un roi sans royaume. La tragédie incarnée. D'accord. T'as dit que t'avais un fils? Emporté loin de moi, comme tout le reste. Je sais comment tu te sens. Il n'y a personne dans cette ville qui n'a pas perdu un être cher. Alors, qui est donc cette femme qui veut te tuer? Vagina dentata. Un vagin pourvu de dents. Quoi? Une grosse salope qui veut mes couilles sur un plateau. Ça te va comme réponse? Je vois. Oh, le vénère. T'as aucune idée de ce qui t'attend. Je me suis chargé de ce monstre en bas. Leto, ce n'était qu'un caniche avec un haut-parleur. D'accord. Et c'est quoi que tu voulais déjà? Je dois installer ce micro sur un émetteur radio, mais il faut d'abord le réparer. Je serai pas radin. Impossible sans plusieurs pièces. Quelles pièces? Le câblage est corrodé. Tu trouveras de quoi le remplacer dans la tour nord. L'armée y a laissé son matériel. Comment est-ce que je peux le trouver? Il sera protégé contre les éléments. Tu dois chercher une boîte sous l'antenne. D'accord. Et c'est quoi ton prix? On verra ça plus tard. C'est une surprise. J'aime pas vraiment les surprises. Bonne chance. Ok, il est un peu spécial. Mais c'est quoi cet endroit? La plus grande église du pays. Les gens croyaient qu'un dieu vivait à l'intérieur. Mais ça fait bientôt 10 ans que j'y vais. Et j'en ai pas rencontré un seul. Mais je dois aller là-haut, c'est ça? Ok. Quoi, là-haut? Du coup, il m'a dit qu'il voulait m'installer un câblage, j'ai pas compris. Énorme. Eh ben, ceux qui l'ont construite pensaient que ça les rapprocherait de Dieu. Mais quand l'épidémie s'est produite, ça n'a servi à rien. Pourquoi t'as tué ces pacificateurs? Je n'ai pas voulu les tuer. Je me suis défendu contre ceux qui voulaient me voler. N'en ferais-tu pas de même si des étrangers se glissaient chez toi? Je sais pas. J'ai jamais eu de chez moi. Ah, je suis un pèlerin. Ah ouais, d'accord, un petit peu de parcours. Mais c'est vrai que c'est plus simple une fois qu'on a bien le niveau. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour nous de le faire. Oh, c'est une sacrée ascension. Magnifique, pas vrai? Un miracle architectural. La cime des exploits humains. Le plus grand triomphe de nos ancêtres. Et aujourd'hui, on l'escalade comme des singes. Je vais faire le singe. Compris. Bien joué. Compris. Je vois qu'il est difficile de te décourager. Ah, je suis borné. Eh bien, tu me seras peut-être utile. Reviens me voir. Voilà, c'était pas loin, je croyais qu'elle allait nous envoyer je sais pas où là.
J'arrive, Kurt, ouvre-moi ton cœur. Bonjour. Que là, c'est ici. Note. Troisième page d'une bande dessinée. Tu l'as ? Bien. Attends un instant. On va être bien, hein ? T'as réussi ? Ingénieur en chef. Rien de bien compliqué. Bon, alors, c'est quoi la surprise ? Qu'est-ce que tu veux en échange ? Tu n'as pas grand-chose à m'offrir qui puisse m'être utile. Attends, quoi ? Je suis un programmeur. Dans un monde où les gens ne font que manger, chier et dormir, comment pourrais-tu me payer ? En pot de porc ? En bouteille d'alcool ? La surprise ! Je l'ai fait pour ton amitié. Eh ben, c'est une sacrée surprise. C'est un honneur. Enfin, je crois. Tu as survécu à mes pièges et vaincu mes défenses. On devrait établir une confiance mutuelle, Aiden. Voilà ma récompense. Ok, Kurt. Et... merci. Sympa. Refuge de Kurt. Oui. Il n'y avait pas une caisse d'inhibiteur ou je sais plus quoi là à choper là. Juan, c'est bon, Kurt a réparé le micro. Je savais que tu pourrais t'en charger. Et tu sais, quand tu me disais qu'il était un peu fou, bah t'étais vraiment loin du compte. Je t'avais bien dit qu'il était à moitié zinzin. C'est pour ça que j'aime pas être seul. Je veux pas finir comme lui. Et maintenant ? Pas à la radio. Retrouve-moi dans mes quartiers, sur le navire. Par où cette caisse d'inhibiteur ? Ah super. Et là, l'inhibiteur ? Conteneur d'inhibiteur détecté. Ouais, je cherchais l'inhibiteur, je suis tombé et puis là, je cherchais l'inhibiteur. Ok. L'autre sens. Il y a des trucs intéressants au moins. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Oh, parce qu'il y a des portes du GRE à ouvrir. Ah, comme ça là. Ça amène à rien de spécial. Il n'y a plus qu'à les installer. Alors... et où est ce truc d'inhibiteur ? Faut que je retrouve son truc pour m'envoler en hauteur là. La tyrolienne. Ah.
Ouais, c'est là. Après, il faudrait que j'aille là-bas, au... à l'est, en fait. Alors, j'ai fait tout le tour pour rien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, faut que je descende. Je vais être très loin. Moins de 20 mètres. Ah ben voilà. GG, bien ouais. Ah. On va pouvoir passer niveau 20. Après je me mettrai niveau 15 avec la santé, et la puissance et la force. Donc passe un rapport à Juan. Ça va être vite fait, donc là on a bien avancé, après on va pouvoir parler à Juan et je suppose qu'après il y aura les lampes UV à fournir à Jack Matt. On sera peinard. Enfin peinard, après on pourra lancer le plan pour la tour VNC. Ouais, t'as qu'à me forcer dedans aussi. Arrête d'hésiter, viens me voir. Pour faire un peu d'achat. Hop là, voilà. Putain, on a 60 000 déjà. Il semblait qu'il y avait une tyrolienne, un truc qu'on pouvait. Le retour du courant sera le tournant de cette guerre. Passer directement en fait. En plus, Juan, il est. Putain, ouais, il est toujours perdu au fin fond de la cale là. Chevaux. Papa pas de raccourci. C'était l'amour de sa vie. Malheureusement. C'est compris. Oui, compris, oui, chef. Oui, oui, oui. Notre devoir, apporter l'ordre et de garder. Voilà, elle est là. On fait tout le tour. Le rappeur, mon caporal, colonel, chef, sergent. Fais un mal de chien. Si tu veux rester ici, comme toi, et tu dois te calmer. C'est fini. Et comment je peux faire ça? Ouais. Tout le monde me regarde. Voilà. Bonjour Juan. C'est réglé. Chut. Moins fort. Parfois les murs ont des oreilles. Tu sais ce que c'est, Aiden? Du caviar. On dirait des petites billes. C'est de la chevrotine. Dios, que triste. Ce sont des œufs, Aiden. Tes poules sont vraiment minuscules. Des œufs de poisson. Du beluga, plus exactement. Tout droit venu de la mer Caspienne. Ils sont considérés comme le seul véritable caviar au monde. Ils fondent sur la langue. Et permettent de savourer le parfum des vagues de la profonde mer noire d'une terre lointaine. Le monde la mer noire. De choses magnifiques. La mer de noire. Superbes sensations, de beaux garçons et de jolies filles. Mais les rustres dépourvus d'humour n'ont rien vu de tout ça. Ils tuent pour le futur et oublient le présent. Ils? Tous les majormats de ce monde. Je t'en prie, accompagne-moi. Je me suis aussi occupé des lampes UV. Est-ce que Matt t'a confié pourquoi il a besoin des lampes dans un lieu qui n'a toujours pas d'électricité? Et comment il compte procéder à cette mission suicide? C'est ce que je pensais. Contacte-le. Dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision. Matt, les lampes sont prêtes et n'attendent que toi. Compris.
compris, Aiden. Bon boulot. J'espère que Juan ne t'a pas causé d'ennui. Juan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité. À quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on peut pas les allumer? Juan cherche à foutre la merde. T'en fais pas pour ça. Juan? Il aboie beaucoup, mais je peux m'en occuper. Excellente approche. Les chiens enragés doivent être tenus en laisse. Et quand ils essaient de mordre, le moment est venu d'abréger leur souffrance. Aiden, le moment est venu de se retrouver pour voir comment se débarrasser de cette sale antenne. Attends mon signal. Bien. Reçu. Comme tu peux le constater, Jack aime donner des ordres. Ne t'éloigne pas de la radio. Tu seras bientôt informé de la rencontre. Ok, intéressant. Parce que ça va nous servir. Des grenades, une arme niveau 3. Nouvelle quête en direct. C'est intéressant hein, ce. Oh! Un point de combat en plus. Un point de parcours aussi. Je crois que j'avais déjà fait le renvoi de projectiles, je sais plus. Putain, elle me casse les couilles, elle. Pour ça, moi. Flèche coupante. Voilà, on refait du stock encore. Toujours utile pour fabriquer des trucs. Attendez l'appel de Matt. On peut remonter là. On est où là? Raccourci. Ça fait 2 ans que je bosse sur ce navire. Ah oui. Je suis ici comme chez moi. On va attendre l'appel de Matt. Défendez et servez. Et où le marchand? C'est elle, non? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Ça? Ah. On va vendre un peu, puis après on va se retrouver plus tard. Faire un voyage rapide. Paire de pompes, laisse tomber. Ça, je vais garder tout ça. Hop là, petit montage, j'ai fait mes ventes, mes achats, j'allais pas tout faire à chaque fois. C'est quoi qui fait que je fasse? C'était pour combat. Oui, j'avais déjà un petit projectile et renvoi de projectile carrément. On a enchaîné, on s'en fout, sauf fracassant. Puis un saut juste après fracas pour enchaîner avec une autre attaque aérienne, non? Enclume, ça peut être drôle. Une artère foncée en sautant ou en tombant. Ça désoriente tous les ennemis, d'accord. Attaque puissante. J'avais déjà demi-volé. J'avais quoi? Élimination aussi, je crois, qui était... Et rien, ça, ouais. Ouais, ça, c'est demi-volé. Coupé et rien, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans les airs, regardez, il y a plus sur LB. Je sais pas quoi mettre en fait. Et enclume, saut rotatif, atterrissage, saut glissé, mouvement furtif. Et. Je vais attendre l'appel de Matt. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Faire une petite coupure et puis revenir quand il va nous appeler. Ou faire du voyage rapide, ça ira très bien. On a à faire. Alors, il nous reste un parachutage à faire sur les 4 secondaires si je fais un point parce que j'ai fait beaucoup en off. Et un peu aussi, je vous ai fait. Vous savez, les épisodes demi là. Les 5,5, 6,5, 10,5, 11,5.
que là on est à l'épisode 15, je crois, si je me trompe pas. Et donc il me reste un parachutage qui est ici, là. Là. Voilà. Niveau 2 parapente requis, mais en fait il est trop haut pour être atteint. Parce que si on fait la tour VNC, peut-être l'atteinte de la tour VNC, je suppose. Voilà, je sais pas où on va aller. On va essayer de voyager en attendant qu'il nous appelle. Ah, vous avez vu ce que ça débloque, la quête en direct, la quête histoire? 3000 d'XP pour chacun, c'est pas mal. Le grappin, il va être débloqué. Après, il y a le détecteur du GRE pour détecter les inhibiteurs. Ça, c'est vachement cool. Une arme de fou, mais au niveau 4. Hein. Ah, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Donc là, je vais encore faire des courses et puis attendre qu'il m'appelle. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu avant d'aller voir Matt. Et dès qu'on pourra aller voir, je vous laisserai la cinématique. Ça, c'est une pub, ça. Pas une peinture murale, non. Eh ben, je vais faire un peu de marchandises, je vous reprends et puis on fait la rencontre. Et puis en fait, moi je veux faire finir cet épisode sur ça, sur toutes les lampes UV, préparer la tour VNC et faire un épisode dédié à la tour VNC. Voilà, c'est mon but du let's play, c'est de faire ça. Ce sera plus propre, bien découpé pour les épisodes. J'aimerais bien vendre, moi. On va attendre qu'il nous appelle gentiment, puis moi je vais continuer à faire mes ventes et mes... et mon marché. Trouve tous à la cantine. Rejoins-nous. Compris. Ça y est, j'ai reçu l'appel de Matt. Il était temps. C'est aléatoire, j'ai fait une quête et après je pense qu'il fallait passer une journée, je sais pas. Je pense qu'il fallait que j'attende et que je dorme, ça aurait été plus simple. Bon, j'ai fait une petite quête comme ça. Aider un père avec son fils abandonné, drogué. C'est la nuit noire, on va à la cantine, à la cantoche, martoche. Il y a des lampes UV partout, ça fait bizarre à chaque fois, j'ai l'impression que la colorimétrie se barre en coup. Aiden, il t'attend. Oui. Très tu bien. Vois, ils sont dans l'espace VIP. Super ambiance. Bip. On dirait un putain de Noël dans ma famille. Tu te prends pour qui, putain de menteur? Du calme, Jack. Tu vas nous faire un AVC. Ce plan, c'est de la merde. Faut faire mieux. Ou plutôt, ne fais rien. Ce sera beaucoup plus simple. Commandant, il serait temps de passer cette raclure au peloton d'exécution, non? Waouh. Les chiens se mettent à aboyer. Je ferais bien de me tenir à carreau. On se calme, messieurs. Tu m'as fait venir pour quelque chose, hein? Aiden, ce sont les plans de la tour VNC. Une fois le courant revenu, on pourra rétablir la communication. Les habitants de la ville auront vent de notre mission. Ils pourront nous rejoindre et nous aider. Ok, donc tu veux diffuser de la propagande? Si c'est ce qu'il faut pour repousser les renégats. Quand le boucher verra qu'on est plus fort, il se retirera. On évitera la guerre. Mais il y a quand même 2-3 trucs à régler avant. Le quartier est alimenté par une sous-station électrique. Je comptais y envoyer une petite équipe, mais t'y es déjà allé, non? Beau travail, fiston. Dommage. Merci. De l'avoir refilé aux civils, ça nous aurait été utile. Ça n'a plus d'importance, Rove. Au moins, on n'a plus à s'en faire pour l'électricité. Pour commencer, faut sécuriser le périmètre autour de la station télé. Mes gars s'en chargeront. Je m'en occupe, chef. Bien sûr, Rove. Bonne chance. On vous décevra pas. On fera de notre mieux, chef. On t'a sonné, Wierzbowski? On se bouge le cul, il nous attend. Ah bah cool, en fait, comme on a fait toutes les stations électriques. Tu parles comme ça devant mes soldats, je sors mon couteau pour te couper la queue. Oh, imagine toutes ces pauvres amis. Ferme-la. Bon, est-ce qu'on peut en revenir au plan? Merci. Quand les toutous de Jack auront sécurisé l'entrée, mes hommes apporteront les lampes et installeront un avant-poste. Et là, si tout se passe bien,
Et ça va bien se passer, puisque c'est le commandant en chef lui-même qui a conçu le plan. Je te préviens. Tu actives les ascenseurs et tu fonces en haut. Une fois sur le toit, tu dois fixer l'émetteur sur l'antenne. Pigé ? Pigé. Pas mal de gens disent que c'est dangereux ici. Tu m'en diras tant. Dangereux ? Tu connais un endroit tranquille dans cette ville ? Nos meilleurs hommes sont sur le coup. Tu bosseras avec Rove. Il lui arrive d'être vraiment chiant, mais... il n'y a personne d'aussi loin. Et tu pourras toujours me contacter. Ça marche. J'ai... La sous-station électrique alimente tout l'immeuble. Les hommes de Rove sécuriseront le périmètre avec des lampes. Compris. Tu vois, Juan ? Voilà comment on obéit à des ordres. Ou qu'on se fait tuer. Mais c'est pas moi qui vais au casse-pipe. On se retrouve à la station télé. Le grand jour est enfin arrivé. Ouais. Un grand jour pour mourir. Mourir peut attendre. Aiden, j'ai entendu dire que Jack et Juan te racontent de la merde. Retrouve-moi devant la cantine. C'est la fête à la cantine, hein. Allez, on va rejoindre Miss Lawan. J'ai entendu dire qu'elle fréquentait un... Ah, tu fais une pause dans les assassinats pour venir me voir? J'essaie juste de t'éviter des ennuis. Ils voulaient quoi, ces tarés? Ils m'ont demandé de grimper sur la tour VNC. Hein? Les enfoirés. Tu sais ce que c'est ? Le bâtiment le plus haut de la ville. Mais je peux y arriver. Je déteste ces enfoirés. Rove, Meyer, ils sont fiables. Mais Jack et Juan, ils ont la trahison dans le sang. Ah. Quel est le problème ? Oh, rien ! À part que c'est là que Frank a perdu tous les traceurs nocturnes et sa jambe. Jack et Juan te balancent au loup infecté dans leur unique intérêt. T'es rien qu'un pion pour eux. Putain de taré. C'est bon. Jack a dit que les pacificateurs seraient avec moi. Est-ce que Jack t'a parlé des créatures qui vivent là-bas? Je sais que c'est dangereux, Lawan. Mais il faut que je le fasse. Il paraît qu'il y a des trucs là-bas. Des trucs qu'on n'a encore jamais vus. Ou plutôt, dont personne n'est revenu pour en parler. T'as l'air d'avoir peur. Évidemment que j'ai peur, Aiden. Trop mignon. Je savais pas que tu t'en faisais pour moi. Va te faire foutre. Écoute, il y a quelques années de ça, Frank a voulu faire la même chose. Et ça s'est très mal terminé. Tu me crois pas ? Pose-lui la question. Aiden, l'entrée de la station télé est sécurisée. On n'attend plus que tes miches. Aiden, t'es là ? Parle à Frank, Aiden. S'il te plaît, fais pas ça. Aiden, réponds. C'est bon, j'irai parler à Frank. Merci, Aiden. C'est la bonne décision. Rove, j'y serai dès que possible. Il y a du nouveau. Mind-toi, Aiden. On t'attend. Parfois, il m'arrive de m'aventurer dans les rues. Frank, t'es vivant, mon pote ? Ravik, je t'ai dit de me laisser tranquille, putain. C'est moi, Aiden. Qui ? Ah, c'est toi, qu'est-ce que tu veux ? Parle-moi de la tour VNC. On était à deux doigts, Aiden. À deux doigts. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais j'avais un plan. Un plan d'enfer. Mais ça s'est fini en bain de sang. Un putain de bain de sang. Frank, comment je peux grimper sur le toit? On y est allé, mais l'équipe était pas au complet. D'enfoiré. Si seulement il m'avait fait confiance. Il en a suffi d'un seul. Et ils sont tous tirés.
C'était qui ? Judas. Voilà qui. Sans rave ? Le passé, c'est le passé. Comme ils disent. Le plus important... c'est que ça a été la fin des traceurs nocturnes. Ok, mais... comment je peux grimper sur le toit ? C'est impossible. Personne peut monter. Maintenant, va te faire foutre. C'est quoi ce bordel ? Franck, reprends-toi. Lawan m'a dit que tu pourrais me renseigner sur la tour. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ce trou à rats ? Je vais monter sur la tour, VNC. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Que tu vas y rester, abruti. Tu mourras comme tous les autres. Comme tous mes amis. C'est pas parce que t'as des trous dans tes ponts que t'es... Rogue t'attend déjà, Taylor. Mais quand je vois les renégats. Rien de tel qu'un peu d'électricité pour égayer un endroit. Mais ces putains d'ascenseurs sont toujours coincés. On dirait que le jus va pas là-bas. Le bâtiment est éteint depuis des années, hein? Va falloir vérifier les relais électriques. T'es un putain de génie, toi. Les gars sont déjà sur le coup dans la zone sombre. Ils essaient de trouver la salle de distribution dans la petite tour à côté. Quand mes hommes auront branché les ascenseurs, on monte et... oh putain. Zéro, on n'a plus de jus. Le commandement dit que la sous-station est connectée et qu'elle fonctionne. Ça doit être lui. Léon, la salle principale est dans le noir, chez toi aussi ? Affirmatif. On est à nouveau dans le Schwartz. Bordel, sors de là, maintenant. T'as pigé ? Léon ! On cherche encore. Laissez tomber et sortez, maintenant. Léon ! Léon ! Merde. Il faut que j'y aille. Je te suis. Ils sont répartis dans les couloirs A et B. Je prends le A. Passe par les studios d'enregistrement. Je m'en charge. Bien. Si tu les rejoins avant moi, sors-les de là avant que le noir ne soit trop noir. Et fais gaffe à toi. Tu nous serviras à rien si t'es mort. Léon, tenez bon. On vient vous chercher. Je me demande si vous pourriez être ma famille.